Ouais, vous savez quoi maintenant? Vous n'aurez même pas la qualité du Canon, hein? Je suis énervé là. Alors, il y a eu pas mal de commentaires. Enfin, la lumière est pourrie, hein. Il va y avoir encore des commentaires sur la lumière pourrie. C'est pas grave. Il y a eu pas mal de commentaires sur la vidéo qu'a fait Yuri sur le serpent français, le Corallus Hortulanus. D'où sa blague pourrie. Et on va y revenir un petit peu. Alors, allez, mec, vous êtes vraiment super intéressant. Mais arrêtez de publier des moitiés de vidéos. Vous présentez une bête magnifique. Donc, on s'attend à avoir plein d'infos, une séquence nourrissage, etc. Et puis, non, c'est fini. Tu vas l'avoir là tout de suite après la séquence nourrissage. Alors, faut savoir que c'est une vidéo qui a tourné du loup. Donc, faut, sur la chaîne PNA, faut pas vous attendre à être dans le moule. Déjà nous, on fait un peu ce qu'on veut. Alors Yuri, il fait encore plus ce qu'il veut. Et il a déjà fait pas mal d'efforts. C'est vrai que j'étais pas là pour le canaliser, pour essayer de construire une démarche qui serait quand même plus crédible sur la présentation du Corallus Hortulanus. Mais bon, c'est pas grave, il a déjà bien bossé, hein. Il est pas parti en cacahuète, etc. Et j'ai le sentiment que quand je suis pas là, il est un peu plus calme et il a moins tendance à être un petit peu foufou. Vous savez, un petit peu comme mon chien Nout. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est fait exprès, on appelle ça du troll, hein. C'est pas fait exprès, c'est inné chez nous. C'est inné, on fait des trucs comme ça. S'ils le font une fois, je suis d'accord, c'est un troll et c'est drôle, mais là, c'est loin d'être rare. C'est vrai, on fait tout le temps ce qu'on veut. Des fois, les vidéos sont presque coupées en plein milieu d'une conversation. C'est vrai, on fait un petit peu ce qu'on veut. Les mecs, c'est des passionnés qui ont des reptiles incroyables. Ils pourraient tenir devant la caméra largement 10 minutes. Yuri peut vous faire un truc de 2 fois, 2 heures, 10 heures. T'as tout à fait raison. Yuyu, il a une connaissance assez phénoménale. Benoît également, il en a dans le petit boulot. Le petit Bendou aussi, mes pattes, etc. Moi, un peu moins. Parce que j'ai un peu décroché là. Quand tu vois un peu la lenteur du truc, tu décroches un petit peu pour l'instruction. Faut que je m'y remette. Je vais m'y remettre, c'est promis. Dès que j'ai fini 2-3 achats que je suis en train de faire, c'est parti. Je suis d'accord avec toi, c'est marrant. 5 minutes, au bout d'un moment, ça marche. Plus la blague de tir sur mon dos. Si tout ça marche toujours autant. Ah, Yuyu qui nous met. Ouais, mais on est dans des vidéos à but excrémentiel et dénuées de fil conducteur. C'est tout à fait ça. Ah ah, passion d'accord, Romain. Non, mais elles sont un peu intéressantes vos vidéos. Pas toutes, hein. Pas toutes. Faut le dire. Mais justement, ça donne envie d'en avoir encore plus. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais c'est Yuyu, tu peux pas le gérer. Et s'il y avait une chose à ne surtout pas changer, c'est bien votre humour. On n'a pas d'humour. C'est clair, nous on n'est pas là pour déconner. C'est de la terrario. Je veux dire, tu vas pas te baigner avec des paléos à pieds nus. Si, ça tu peux. Pas avec des migales. Les migales, tu peux pas. Hein. Alors des emmerdes d'ailleurs. Laurent, salut Laurent. Voilà, ils nous ont énervé David. Ouais, ouais, tu sais, moi je m'énerve facilement. Hein. On n'a pas le droit à la suite. Si, ça arrive juste après. Ça sera pas coupé au milieu, mais il y a que 3 minutes sur le nourrissage. Alors vous me pourrissez pas, c'est clair. Yuri, le principe de faire la mise au point d'image, c'est qu'après tu évites de bouger. Laurent, c'est mission impossible, j'ai déjà expliqué comment faut filmer avec le téléphone à chaque fois. Il filme comme ça. C'est Yuri, c'est tu peux pas, tu peux rien en tirer. Rien en faire. Ah yes, ça faisait un moment que j'attendais une vidéo. Ben voilà, le baptisé soumis à CDC, j'ai entendu, c'est vrai. Ouais, mais il y a un autre, c'est une étude, il y a une vidéo. Si je retrouve le truc, je te le mettrai. Car il m'explique un petit peu pourquoi celui-là n'est pas soumis par rapport à l'autre. C'est faux, le baptisé nécessite d'être capacitaire, mais apparemment il y a un bug là-dessus entre la DDPP et le NCFS. Ça fait un peu ce qu'ils veulent. Des emmerdes, moi j'ai déjà pris du sursis. Ouais, mais pour l'instant, le genre Corallus prime donc soumis difficile à savoir le Corallus caninus qui, oui, car protégé. Mais le Batésie n'est pas endémique du même endroit. C'est une baston quoi, entre les textes, les spéciaux, etc. Va voir la vidéo. Oui, le caninus est soumis. Je suis pas renseigné chez les capacitaires et des gens qui connaissent la législation, donc il est soumis, c'est sûr. Donc tu peux te renseigner si tu veux, mais il faut le CDC. Va voir la vidéo, je te dis. Ah, vous avez pas à voir le nourrissage, hein. Ça avait bien commencé, belle vidéo. C'est moi où il y a moins de vidéos depuis quelques temps. Ouais, c'est vrai, il y a moins de vidéos depuis quelques temps. On s'éclate un petit peu et on est un petit peu dans l'immobilier là. Sans avoir d'argent, hein, c'est de l'emprunt. On investit, on s'amuse, on bricole. Voilà, donc c'est vrai qu'on est un petit peu débordé de ce côté-là parce qu'on fait ça avec passion, avec envie, avec sans obligation, sans contrainte. Donc c'est vrai qu'on fait des vidéos quand on en a envie. Là, j'étais extrêmement ciel débordé. On va être encore très prochainement extrêmement débordé, même avec Jeannot. C'est vrai que le temps manque. 24 heures dans une journée, il n'y a pas assez. Ça fait plaisir, je croyais qu'on avait disparu. Non, on n'a pas disparu. Salut à toute l'équipe. Quel taux d'humidité pour cette espèce. Ça m'appelle une question de la commission, j'ai dit le taux d'humidité du Mexique. C'est pas passé ça. J'en veux de la faune guyanaise, moi, mais territoire français. Donc CDC ou alors espèce qui ressemble à 3000 euros, c'est ça. Enfin une vidéo, bah ouais. Et puis notre ami Rudy, attends, je bouge un petit peu. Si tu as des questions sur la législation guyane, demande à David Morderu, il est capable. Encore pour 355 jours, je vous raconterai. C'est une spécificité au bois, parce que l'aube est indépendante. Voilà, c'était pour répondre un petit peu aux commentaires, sans aucune arrière-pensée, vous dire en fait si on veut, de toute manière. Et puis, bah, je vous propose 3 minutes. Seulement 3 minutes about l'alimentation du Corallus Hortulanus. C'est parti. Caca.
Alors pour te shooter les pattes, y a pas de problème. Allez, sors ta langue là, respire-le un peu. Ça se mange. Ouais, tu tapes juste pour faire chier longtemps. Bon, après, il faut l'excuser, il sort d'une histoire un peu compliquée avec une souris. Et elle lui avait promis plein de trucs et... Bon bah ça s'est pas fait, et du coup, bon bah ouais, il est un peu fâché avec les souris. Et... Lui, ça leur intéresse un peu plus. Ah merde, bah tu vois, quand on... Je me disais de manipuler l'autre avant, c'était pas une bonne idée, mais... Ouais, donc là il en veut pas, hein. On est d'accord là-dessus. Voilà. Ah, il aime bien me faire chier et contredire ce que je dis aussi, ça c'est pas mal. Ah non, tu m'as mangé, non, arrête, arrête. Oh non, oh là là, au secours. Merde, il lâche son culé là. Ok, donc fallait pas faire ça avec celui-là. Les autres ça marche bien, ça les motive à serrer. Putain, pourtant c'est un mâle, hein. En général, les femelles sont bien. Quand tout le règne animal, de toute façon, elles sont bien chiantes. On va essayer que... Quand vous venez de découvrir cette vidéo tournée par Youyou, chez Youyou, avec Youyou. Comme je vous ai dit, ça a été fait par notre ami Youyou, avec Bendou, et puis notre ami Jeannot. Enfin, Piné, c'est que des amis. Ailleurs, c'est pas que des amis. Donc, je vais pas dire qu'on a que des amis dans l'intérieur. C'est pas le cas. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu, même si elle est trop courte, pas assez longue, trop machin, trop truc. Je vois déjà Youyou qui va s'éclater dans les commentaires. Mais de toute façon, n'hésite pas à mettre les commentaires, parce que nous, sur Piné, on est une démocratie. Enfin, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, sans non plus se retrouver stigmatisé ou à devoir passer devant un jury de 3 personnes pour entrer dans l'association. Et il y a des problèmes de démocratie un petit peu partout, ce qui est pas le cas sur Piné. Donc, n'hésite surtout pas à commenter, à critiquer, à dire qu'on fait de la merde, à dire que ça te plaît pas, à dire que c'est trop court, à dire que c'est trop long, c'est ton droit, et voilà. Dans tous les cas, tu connais la phrase habituelle, tu sais que je répète à tous les cas, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages un maximum, tu nous rejoins sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc. Puis je te dis à très bientôt sur PMA International pour les vidéos les plus courtes de la Terrarium. Allez, ciao, bye, salut.